Quelle mouche a piqué notre jolie ville d'Arles, d'origine gallo-romaine, aussi la capitale de cette folle et sublime Camargue, d'enfanter en son sein des génies comme Lucien Clerc, ou bien d'en attirer d'autres, Picasso compris? Quelle mouche a piqué ce rejeton provençal, né en 1934 dans une famille de modestes petits commerçants, de s'essayer d'abord à la musique? Il abandonna le violon sur les conseils de sa professeure et faute de moyens. Quelle mouche a piqué cet adolescent de 15 ans de s'essayer aux rudiments de la technique photographique avec acharnement? Autodidacte, 4 ans plus tard, en 1953, l'idée fixe du jeune homme est de montrer ses photos à Picasso, venu pour une corrida dans les arènes d'Arles. Pas trace de diplôme, le jeune homme a du toupet, même pas froid à ses yeux pourtant si précieux, quand il aborde le grand maître de la peinture du XXe siècle. Il montra son travail au monument catalan. Celui-ci fut très impressionné par sa série des charognes et celle des saltimbanques qu'il avait réalisées simultanément. Une vraie amitié de 30 ans était née, elle fut stoppée net par la mort du peintre en 1973. Quelle mouche a piqué notre grand témoin du monde de se battre pour sortir la photographie de ce Dieu sait quel art mineur où elle s'était enfermée depuis sa création, moins de 2 siècles au compteur? En 1982, cerise sur le gâteau, Lucien Clerc arriva à ses fins, convainquant les autorités du ministère de la Culture d'inscrire la photographie au même titre que la peinture et la sculpture. Notre tenace contribua activement à l'éclosion de l'École nationale de la photographie. Bien sûr à Arles. L'avenir donna raison à cette solide intuition. Avec l'énergie des grands hommes, sans avoir l'air d'y toucher, Lucien Clerc et son ami Michel Tournier créèrent en 1968 les rencontres photographiques de la photo. De prestigieuses collections et les plus grands maîtres de cet art, Kertész, Mapplethorpe et bien d'autres, y montrèrent leur travail, créèrent des ateliers, participant ainsi à la mondiale renommée de cette manifestation, maintenant une institution internationale incontournable et indiscutable. Quelle mouche a piqué ce fada de corrida, de taureaux, de Camargue et ses héros, de courir le monde, presque trop petit pour lui? Il est le seul photographe, et probablement l'unique, autodidacte, à avoir été élu à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Cette vie trépidante et pleine ne rentre évidemment pas dans cette petite chronique, mais le 15 novembre dernier, les arts, la photographie, le cercle des anonymes admirateurs, les Arlésiens, tous ont perdu ce K majuscule, l'un des précieux maillons de la plus belle chaîne du monde, celle des grands créateurs qui ont fait avancer l'humanité. Avec leur propre vision, chacun à leur façon. Chers amis, chers amateurs en deuil, point commun à tous ces grands génies, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.